Comment je suis dans le noir, c'est incroyable. Attendez. Si je fais ça, c'est mieux. Ah, le vieux fond vert. C'est dégueulasse, hein. Le problème, c'est que j'ai un. Regardez. J'ai eu un petit problème en plein live. C'est qu'en essayant de jouer les trucs qui se font à l'électrique au début. Bah, j'ai pété le médiator. J'ai pété le médiator, je pense que ça s'est entendu sur ce petit riff là. Sur ça, j'ai pété le bout. J'ai pété le bout, j'ai eu l'air con. Je m'attendais à une cover de Bobby Lapointe. Ah, mais Bobby Lapointe, c'est compliqué. J'ai pas de Bobby Lapointe en tête. Après, j'ai des trucs en tête. Merci Nawaki pour le follow, des bisous. Il est sûrement en train de jouer de la guitare de la façon Maïtas d'Habitas. C'est pour ça qu'il met pas la cam. Ah oui, c'est parce que je joue avec ma tub. C'est bien connu ça. C'est marrant. Bon, du coup, faudrait que je retrouve le petit bout de Mediator. T'avais pas déjà pété ton ancien Mediator? Bah, si, mais. Bah, du coup, j'ai pété le nouveau, quoi. Enfin, j'en ai plein là-bas, c'est pas grave, mais les autres sont trop gros pour de l'acoustique. Ça fait déjà qu'elle grésille à mort. Mon avis. Je pense que j'ai des cordes qui frisent à l'infini. Mais... C'est très noir la cam, c'est fait exprès. Tu veux jouer de l'hélicon? J'ai envie de rendre un hommage à Renaud. Quand le babacool Kralok est sorti de son bus Volkswagen qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, pâte au gaz, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna mort, cheveux aînés. Percé, tu vas voir qu'à tous les coups il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou au Népal. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot et j'ai dit: toi tu me fous les glands, depuis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Petite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, reluque la tronche à la poufiasse, vise la culasse et les nibards. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimar, fut à sky comme Travolta. Qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais est-ce croix au palace? Je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, que je l'ai chopé par le callback. Et j'ai dit: toi tu me fous les glands, depuis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Un petit Rocky Barjot, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qu'avait fait-il, t'arrêtes j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir? Il a qu'à retourner chez les Grecs se faire voir. Avant qu'il ait bu son Vianlox, je l'ai chopé contre le jukebox. Et j'y ai dit: toi tu me fous les glands, depuis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Puis je me suis fait un punk, avait pas oublié d'être moche, puis un intellectuel en Oden, genre nouvelle ops. Quand Bob a massacré le flipper, on avait plus d'une en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit:
C'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots, je lui dirai, toi tu me fous les glands, depuis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Mais c'est ça que c'est drôle, c'est que finalement... Finalement, ça n'a pas beaucoup changé, Renaud. Si on va voir Toujours debout, parce que je ne me rappelle plus les paroles, Toujours debout, tablature, je suis sûr que ça n'a pas vraiment changé. Hein. Attendez. Alors déjà, il faut... Oh là là, capot 3. On pourrait faire les transpositions, mais j'ai la flemme. Alors, Toujours vivant. La banane, toujours debout. Je suis retapé, putain, c'est vraiment de la bite. Remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Je me dis quoi, tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi, je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours... Mais c'est pas du tout ça. Ah si, BM, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Oui, c'est moi la guitare, malheureusement, c'est moi. Ouais. Du génie, quoi. C'est du génie d'avoir 12 heures de stream et de s'épuiser les 20 premières. Non, mais ça, ça va encore. C'est pas du jeu vidéo, donc c'est tranquille. J'avais pas vu le petit si mineur. Ah, c'est ça, c'est... Quand il fait la montée, là. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le prétendu fait plus les télés, j'ai même pas internet. C'est vraiment de la merde, quoi. Oh merde, quoi. Une petite pièce pour la musique. Ah, c'est bien, on se croirait sur la plage. Je pense que vous voulez savoir la marque de ta gratte. Ah, ah c'est quoi? Ah c'est quoi ta guitare? C'est de la bite, c'est une lag. Elle lag, c'est la guitare qui lag. Merci Camtar Prod pour 1 euro. C'est la guitare qui lag. Petit BMC. Je sais plus c'est quoi le rythme à la basse. Le petit riff qui va bien là. Le petit riff là. C'est tellement un truc. Ah, c'est tellement de la baisse quoi. Oh là là. Je voulais m'entraîner à faire des trucs là. J'ai plus comment ça faisait. Il me faudrait les paroles. J'ai plus les paroles en tête. Se faire enculer là. Se faire enculer, c'était du génie ça. Se faire enculer, paroles. Les paroles de se faire enculer. Je pense qu'à 17h on fera du jeu, mais c'est juste histoire de s'occuper. Salut Out of Paprika. La lune s'attristait. On comprend sa tristesse. On tapait plus dedans. Elle se demandait quand est-ce. On va se rappeler de m'enculer. Mais pourquoi il y a des pubs qui pop là? Dans mon affreux jargon, carence inexplicable, brillé par son absence, un des pires vocables, c'est enculer, lacune comblée.
lâcher ce terme bas. Dieu sait ce qu'il m'en coûte, la chose ne me gêne pas, mais le mot me dégoûte. Je suis désolé d'y renculer. Oui, mais depuis qu'Adam se fit charmer par Ève, l'éternel féminin nous emmerde et je rêve parfois d'aller me faire enculer. Sous les coups de boutoir des ligues féministes, la moitié des messieurs brûlent d'être onanistes, l'autre d'aller se faire enculer. À force d'être en but au tir des suffragettes, en son fort intérieur chacun de nous projette des lasses à aller se faire enculer. Quand on veut les trousser, on est un phallocrate. Quand on ne le veut point, un émule de Socrate. Reste d'aller se faire enculer. Mais attendez, parce que faut que je décale les paroles, parce que... Oh putain, c'est hyper long en plus. Attendez. Qu'espère en coassant des légions de grenouilles, ok. Qu'espère en coassant des légions de grenouilles, que le royaume de France enfin tombe en quenouille, qu'on court aller se faire enculer. Y'a beau jour que c'est fait, devant ces tyrannettes, on danse comme des pantins, comme des marionnettes, au lieu d'aller se faire enculer. Pompadour, Montespan, la Vallière et j'en passe, talonnèrent le roi qui marchait tête basse, souhaitant aller se faire enculer. À de rares exceptions, nom d'un chien ce sont-elles, qui toujours mine de rien déclenche la bagatelle. Il faut aller se faire enculer. Oui, la plupart du temps, sans aucune équivoque, en tortillant du cul, ces dames nous provoquent. Mieux vaut aller se faire enculer. Fatigués de souffrir leur long réquisitoire, ayant en vain cherché d'autres échappatoires, je vais aller me faire enculer. D'à partir de ce soir, cessant de croquer la pomme, j'embarque pour... Merde, putain, j'embarque pour Cythère, en passant par Sodome, afin d'aller me faire enculer. Afin qu'aucune de vous, mesdames, n'imagine que j'ai du parti pris, que je suis misogyne. Ben, j'ai plus les paroles. Misogyne, avant d'aller me faire enculer. J'avoue publiquement que vous êtes nos égales, qu'il faut valider ça dans une formule légale. Je suis enculé mais régulier. En vertu de quel pouvoir injuste que nous sommes, vous refuse-t-on les droits que l'on accorde aux hommes, comme d'aller se faire enculer. Voilà. Donc finalement, chanson non pas misogyne, mais mise au whisky. Voilà. Salut Chichu, on joue pas Isaac, c'est quoi ce stream? C'est un stream de merde. Maintenant, j'ai décidé d'aller me faire enculer. Comment ça se fait que Mac... Hein? À quel moment ma carte vidéo, elle est à 50% là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? GPU GTX 980, 50%. Alors que je fais rien, quoi. Y a même pas de jeu de lancer, là. Tu te fous de ma gueule, j'espère? Il fait chaud, comment ça se passe? Ah non, 20%. Ok, toi bien. C'est tout le temps pareil, en fait, Brassens, c'est un truc de génie. Ah, ça se fait comment auprès de mon arbre? Attendez. J'ai plaqué... Attends. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. Ah, attends. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée,
tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocaïne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qu'avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois. Sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Faut dire qu'après tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Et HP parole. Nananana, beaucoup trop de pierres dans les lentilles, Netflix pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Je sais plus, un truc dans le genre. Quand je perdais mes billes. Attends, même. Mais qui se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vis. Ouais, c'est ça. Avec les mêmes riffs, il a fait toute sa carrière. Mais c'est pas une question de riff en fait. Tout le monde la connaît, Fernande. Stop avec Brassens, on va finir par tous se faire enculer. Mais non, mais après, bon. Après, en fait, c'est un peu. Vous savez, j'ai chanté tout à l'heure. J'ai chanté tout à l'heure une chanson qui va très bien avec le streaming. En fait, c'était Marche à l'ombre. Enfin, c'était pas Marche à l'ombre. Oui, c'est ça. Casse-toi, tu puis, Marche à l'ombre. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, bon, à partir du moment où un stream vous plaît pas, vous pouvez toujours vous casser, quoi. Salut, Boom Down. Solo. Mais oui, solo, incroyable. Je sais plus ce que je chantais à l'époque. Pas la chanter celle-là, je vous le dis. Pardon. En fait, il manque mon pote parce qu'à chaque fois, c'était mon pote qui faisait les solos. Il était. C'était du génie, quoi. Depuis combien de temps t'en fais? Enjoy ton solo de 5 minutes à l'acoustique. Ah oui, c'est là, clairement, pendant 5 minutes. Après, tu peux faire des petites variations, quoi.
En fait, il faudrait que je vous retrouve, mais j'avais un putain de calepin. Si je vais sur genre Enzo musique, il me semble que j'ai voilà, j'ai un concfr.pdf et là-dessus j'avais fait des centaines de chansons avec un de mes potes et on avait récolté en fait tous les accords. On s'était fait chier, pardon. Genre ces idées-là, puis Louis Bertignac, j'arriverai à savoir que ça. Je me rappelle juste plus des paroles, mais en gros voilà quoi. Ouais. Ouais, c'est un truc comme ça là. Enfin bref, voilà, on avait. Non, j'ai pas fini Castlevania, on va le faire juste après. Il reste pratiquement rien à faire. Au sombrero de la mer. Enfin voilà, tu vois, genre, en fait, on a fait un. On avait fait un truc, il faudrait que je vous montre parce que c'est du génie en fait. Genre, on s'était vraiment cassé le cul pendant au moins des heures à récolter, juste pour aller sur la plage. Je vais vous montrer quand même. Capture d'écran. Ouais, on s'était fait chier. Vous voyez, par exemple, au sombrero de la mer avec les paroles, le vent nous. Bah, bon, le vent nous portera, c'est EMD toute la chanson. Enfin voilà quoi, c'est que ça. L'homme pressé, par exemple. Voilà, Hôtel California. Bon, en fait, c'est juste des. Oh putain, la corrida quoi. Oh merde, ça fait comment déjà? Oui, c'est ça. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dommage, il s'arrête quand ça devient intéressant. La cabane du pêcheur, quoi. Non, mais je vous jure, c'est fou le chant. Oh, oh, ça, c'est du génie, ça. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours aussi partent. Il faut que tu saches. Ah putain, ça valait le coup qu'on soit chien, même si dans tes là. D'autres dansent des heures. Ah oui, mais après ça change aussi. Parce que oui, à un moment il fait. Et après ça monte. Je deviendrai. C'est du jeu. Vos jeux seront les nôtres. Si tel est ton désir, plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en heure pour que tu m'aimes encore. C'est du génie quoi. Faut baisser d'un octave. Non, justement, faut monter. Là, faut totalement monter. Bon, après, faut baisser d'un octave, évidemment. Faudrait que je le chante aigu, normal, quoi. Non, mais il y a une montée de, il y a une montée de ton, là. Il y a une montée de ton, en fait. Tu passes de A, E. C'est du génie, quoi. Bonne idée. Ouais, non, mais c'est les pires chansons. Les copains d'abord, évidemment. Bon, les copains d'abord, si vous ne savez pas. Le PDF qui coupe la tête de chi, streamer. Mais oui, mais c'est pas grave, ça. C'est pour que vous puissiez vous inspirer la voix d'un ange. Bon, je suis désolé, mais genre, je vais pas crier chez moi, non.
Ça commence tout... C'est incroyable, c'est que, en fait, Georges Brassens, une chanson sur deux commence par un ré. Hein. Ré ou si mineur. Elle est ta... Attends, elle est ta... Attends. Je sais plus comment ça. Elle est à toi cette chanson. Je sais plus comment il fait. Tatoua. Elle est à toi cette chanson. Toi l'autre. Je sais plus. Enfin bref, bon, c'est soit si mineur, soit soirée quoi. Bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Ouais, c'est Georges Brassens funk. Naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Enfin ouais, ça c'est le BM Fa dièse 7, le début de l'Auvergnat. Mais oui, c'est ça, mais c'est ça. Je sais plus quel rythme fait. Ah oui, c'est parce qu'il le fait comme ça, il fait des doubles. Elle est à toi cette... c'est ça. Elle est à toi cette chanson. C'est du... Ah oui, putain, mais c'est du trois temps. Du coup, je suis perdu, moi, je suis le pire. Elle est à toi cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain. Quand dans ma vie, il faisait... Et après, je sais pas l'accord, donc tant pis. Fin, 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 fin. Ça doit être ça, non? Wish You Were Here, bon, évidemment. Oui, bon, bah oui, d'accord. Time. Après, il y a du Pink Floyd, bon, Pigs on the Wing. Ah, Pigs on the Wing, c'est du génie en vrai. Bon, je vais pas vous la chanter parce que ça va être un massacre. Eh, vous chie dessus. Non, attends, je vous chie dessus. C'est du 3 longtemps l'Auvergnat, mais attends. Mais quand tu le fais du coup? Attends, il faudrait que je l'écoute. Moi je suis un gars de l'oreille, moi. Je suis pas un gars de. Je suis pas un gars du. Pas un gars de la théorie, moi. L'Auvergnat. L'Auvergnat, Georges Brassens. Bon, commence pas à faire le malin, Georges. Mais c'est ça que je faisais. Mais c'est ça que je faisais. C'est ça que je faisais, non? Qu'est-ce qui se passe là? Toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as c'est ça, non? Du feu quand les croquantes et les croquins. Bon, ça, je l'ai chanté tout à l'heure. Laisse béton. C'est pas l'homme qui prend la mer. Ah oui, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est quand même le génie, quoi. Allez, changement de tonalité. Morgane de toi. Santillano, incroyable. Oh, San Francisco. Oh, mais San Francisco, c'est du génie. Boum, tchac, 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 tchac. Mais c'est ça que je... Mec, j'ai fait ça, tu me chies dessus, quoi, putain. C'est une maison bleue adossé à la colline, on y vient à pied. On ne frappe pas ceux qui vivent là. On jette la clé. Se retourne. Je sais plus. Après les années de route, et l'on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Dans San Francisco s'allume. San Francisco s'allume, je sais pas. San Francisco. Où êtes-vous? Lisa, Luc, Sylvia.
Attendez-moi. Est-ce que tu peux chanter les paroles de All Star sur... Je sais plus. Mais attends, mais San Francisco, est-ce que ça se cale avec All Star? All Star, c'est quoi? En fait, ça va pas passer. C'est pas possible en vrai, je pense pas que tu puisses. Hein. Ou alors faudrait commencer plus tard parce qu'en fait. Ah, il faudrait commencer au deuxième accord. Si tu commences au deuxième accord, ça passe à mon avis. Cendrillon. Ah bah oui, non mais Cendrillon évidemment. Un autre monde. Comment passer une heure de live tranquille? Petite Marie de Cabrel. Alors on l'a pas là-dedans. Mais après, ça se trouve sur internet. Le truc, c'est que là, on avait juste regroupé plein de trucs. Mais en vrai, après, à tout moment, tu trouves la même chose sur internet. C'était juste pour qu'en fait, comme on n'avait pas internet sur la plage, on avait tout directement sur nous. Après, moi, je suis pas musicien, encore une fois, je vous le rappelle. Hein. Cendrillon, couplet. C'est bon. Oui, c'est et la plus triste son bel elle oublie le temps dans ce palais d'un jour pour ne pas voir qu'un jour son ouais, c'est bidon ça aussi. C'est rigolo. Un autre monde. Ah oui, ça c'est... Ouais. New York avec toi. Putain, je me rappelle plus ça. Gabriel. Oh putain. Génie ça aussi. Dans un festival qui s'appelle Bazar, le Bazar. Est-ce que tu vas jouer Gabriel et Joe? Ah bah et Joe, Johnny Hallyday ou Jimi Hendrix. On a les paroles en français. Et Joe, cours pas comme ça, dit, il y a pas le feu chez toi. Sur la route de Memphis, bon ça c'est pour Skija. Couleur mentalo, oh, putain mais c'est du génie. Pas de boogie woogie hein. À tout moment pas de boogie woogie. Le pape a dit que l'acte de mort sans être mort. Scène ouverte. Hein. Walk of Life. Knockin' on Heaven's Door. Le... Oh, mais ça, alors ça, c'est tellement, tellement rigolo. Little Wing Purple Haze. Hearts of Gold. Bah, ça, on l'a jamais joué celle-là, tu vois. Hard Day's Night. 8 Days a Week. Oh merde, Yellow Submarine. J'ai oublié comment ça faisait ça. Attendez, parce que Yellow Submarine, c'est comment? C'est tellement bizarre, je crois. Et je l'ai plus en tête, du coup. Attends, ça fait... C'est oui, d'accord. Ouais, bon, ça c'est totalement faux, ça. Enfin, je veux dire, c'est bon. La ligne est pas bien écrite, quoi. Alors, Satisfaction, oui, très bien. La nuit, je mens. Oh putain, Alain Bachung. Si vous voulez que je vous tue, je vous fais un petit Alain Bachung aux oignons. L'hymne de nos campagnes, oh merde. Alors ça, je crois que c'est les pires. Là, on arrive dans les pires. Ah non, c'est pas ordre alphabétique. Jacques Brel, Amsterdam, bon, ça on va éviter. Hein. Yellow, Coldplay, on va éviter également. Jesus, He Knows Me. Nobody Knows. Oh putain, mais ça, c'est mon pote, il mettait des trucs. Qu'est-ce que tu veux aller chanter ça, quoi.
Three Little Birds. Bon, Bob Marley, c'est inchantable. Bonjour. Jet. Bon, après, moi, je mettais des trucs de merde aussi, quoi. Je mettais des trucs de merde aussi. Ah, c'est vrai qu'on la faisait en acoustique. C'est vrai que c'est possible en acoustique. Salut les strios. Freebird. Bah, Freebird, oui. Sweet Home Alabama. Next to You. Oh putain, bah, moi aussi je mettais des bons trucs de merde inchantables. Bon, ça va. On the Road Again. Oh, mais On the Road Again, c'est du génie. Going Up the Country. Born to Be Wild. Oh merde, Born to Be Wild. L'intro à Slane Castle. Hein. C'est vrai que c'était du génie. Bah, de toute façon, toutes les intros généralement de Californication, c'est du génie. I Get Around. Oh putain, c'était trop bien ça! Est décalé, mais c'est normal parce que j'ai essayé de mettre mon micro assez dirigé vers le bordel pour que. Ah, ça c'était trop bien aussi. Je crois qu'il y a une faute là-dedans. Je l'ai jamais corrigé, mais il me semble qu'il y a une faute. Vous testerez chez vous. Il y a un accord qui est faux là-dedans. C'est peut-être possible que ce soit tout qui soit faux aussi. Sweet Home Chicago, ah oh, oui, blues en E quoi. Anybody needs somebody to love. Oh merde, ça c'était bien aussi. Tracy Chapman, putain. Mais il y a des trucs genre ça fait des années que je l'ai pas joué. Oh, bah, ça c'est du génie. Ces accords-là, c'est du génie, mais alors, je sais pas si c'est exactement ce que j'ai en tête, ouais.
ça marche, ça. Mais c'est justement basé sur les accords de Frusciante, hein, totalement. Oh, Boys Don't Cry, c'était du génie, ça aussi. Just the Two of Us. Oh, Just the Two of Us. Je t'emmène au vent. Choisir son capot, évidemment. Léa. Zombie. À l'aventure. Oh merde! Oh non! Ah oui, non, mais selon la. Oui. J'étais dans mon village réparé des chaises en bois. J'étais dans mon village réparé des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais mis d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, le donjon, il est pourri. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon. C'est du génie, ça. Audi Pizurov chanté par John Frusciante sur MCM avec Andy Gillis qui va le faire chier en chantant. Oui, non, mais oui, bah, c'est la meilleure version. C'est la première fois qu'il joue, je crois, en plus. Ah, bah oui, non, mais ça. Mais attends, parce que, en fait, à l'aventure compagnon, tu peux. Si tu veux la vraie tonalité, faut la jouer en capo 5, je crois. J'étais dans mon village, réparé des chaises en bois. Et l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui, tu le tour. Siégeant un peu plus loin, j'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, mon jour il est pourri. Enfin, c'est la suite, vous le direz un truc. Je suis arrivé au lieu dit, trempé par un orage. Ma monture est partie, mais j'ai gardé mon courage. Quand tournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, le donjon, il est pourri. Ah mais ça me revient. Ils ont piqué ma vache, le mur sandwich et mon boudin. Ils m'ont trimballé, nanan, je suis. Tombé dans un trou et puis je sais plus quoi. Il y a une histoire de trou là. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. Évidemment. Et Whistle Stop, c'est pareil, c'est du génie ça. Comment je le faisais là ? Je comprends tellement rien aux accords. Bah non mais c'est bah c'est après bon voilà. Après Whistle Stop normalement ça se fait beaucoup plus haut. Parce qu'après, c'est impossible à siffler, quoi. Le mec qui a fait ça, c'est un génie du sifflage, quoi. Yodelali, yodelali, yodel... Ah, c'était comment, ça, déjà ? Robin et Petit Jean au bois se promènent. Ils s'en vont le cœur content et devisent gaiement. Ah, c'est un truc comme ça, non ? C'est ça. Et Robin avec Petit Jean, Robin avec Petit Jean, Robin avec Petit Jean au bois se promène. Ils s'en vont le cœur content et devisent gaiement. Des souvenirs du passé heureux, ils se souviennent. Yolidali, yolidali, quel beau jour vraiment.
Pourquoi redouter l'eau calme et bleue de la rivière qui paraît en se complaire à leur jeu? Qui peut se douter que l'on... Quand... Merde, comment on fait déjà? Qui peut se... C'est pas du tout ça les accords. A7, A7, D7. Qui peut se douter que l'on... Ah c'est ça, ok d'accord. Pourquoi redouter l'eau calme et bleue de la rivière qui paraît en se complaire à leur jeu? Qui peut se douter que l'ombre douce et familière cache un gros shérif au dessin belliqueux? Robin avec petit Jean file à toutes jambes, écartant tout en courant les branches ailées. Puis au tournant d'une allée disparaissent par enchantement. Yolidali, yolidali, quel beau jour vraiment. Yolidali, yolidali, quel... Non, yolidali, yolidali, quel beau jour vraiment. Ouais, c'est ça. J'ai dit du sifflage, t'as Peter N avec Bad of Death Valley. Ah, et moi je préfère Yodelali. Ah, puis voilà, après on avait fait une table des matières, pas du tout alignée parce qu'il était 5h du mat. Et du coup, l'été en fait, on filait ça aux gens et ils nous disaient, bah tiens, joue cette merde. Et après, ils filaient des boulesses. C'était un peu le début du streaming. Bon, il est 17h, on va peut-être jouer un truc. Oh, putain, Wearing the Inside Out, quoi. C'est tellement du génie cette musique, quoi. Après c'est tellement lent, hein. Là j'ajoute déjà deux fois plus vite quoi. C'est gagné, j'ai envie de regarder Robin. Mais Robin des Bois c'est la meilleure, hein. C'est la meilleure musique du monde. Hein. En vrai Robin des Bois, j'ai regardé 150 000 fois Robin des Bois juste pour le... J'ai regardé mais des milliards de fois juste pour l'intro quoi. Quand j'étais gamin j'étais fou de cette intro. Ouais, tiens bien la route quand même, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas changé les cordes, et, parce que j'ai juste la flemme. Et elle tient bien la route, je trouve. Hein. Moi, elle a un son très, comment dire... Si je joue des accords ouverts... Elle a encore un son qui porte un peu, mais... Sur des barrés, elle est très étouffée, parce que les cordes sont très très vieilles, mais... Moi, je trouve qu'elle tient encore la route, quoi. Un peu de Red Hot. À l'acoustique, il y a quoi de sympa des Red Hot? Il y a genre machin. Là. Ah oui, il y a machin. Là. Comment ça faisait? Ça faisait un. Des Crash and Smile, ça fait comment déjà ça? Je crois que j'ai totalement oublié comment ça faisait. Desecration Smile, chords. Qu'est-ce que c'est que cette beat? Ma beat en bois, ça a jamais été ça. Ah si, c'est peut-être ça. Ah si, c'est ça. Un riff là, non? C'est jamais ça. Je
il fait. Tablature ou partition? Je sais pas lire une partition en fait, à moins qu'il y ait les accords dessus. Je sais pas lire les notes. Enfin genre une partition, je sais pas la lire, j'ai jamais fait de solfège de ma vie. Donc des tablatures ou des ou d'oreilles quoi. Le pudding à l'arsenic après Robin des Bois. Oh merde, le pudding. Joue Isaac bâtard. Oui, tout de suite j'arrive. Dans si tu me donnes 500€, je suis prêt. Il y en a un qui a dit snow à l'acoustique, mais mec snow à l'acoustique déjà avec mon médiateur pété là. C'est impossible en vrai. C'est tellement impossible à l'acoustique quoi. Et moi qui range sur ma table ma part universitaire pour le rendre demain, putain je vais pleurer. Classique quoi. On my way, don't 500€, je l'attends mec. Alors, ah non, mais des Red Hot, il n'y avait pas un truc genre... C'était pas genre Slow Cheetah qui fait ça? Ok. Parce que comment t'as pris la guitare et à quel âge j'ai commencé j'étais en première donc maintenant j'ai fait combien première terminale 3 années de prépa 3 années d'un... ouais, ça fait 8 ans en fait merci Moumda, il n'y a pas de chapeau par terre mais je mets une petite pièce tout de même merci beaucoup 250 bitas des beats n'importe quel morceau de piano à l'oreille quand il a montré comment il jouait avec ses oreilles je me suis pissé dessus ah non mais après jouer à l'oreille attention ça veut pas dire que genre quand je te dis que je joue des trucs à l'oreille ça veut pas dire que tu me fais écouter n'importe quoi je sais le jouer à l'oreille ça veut dire que si je tryhard machin je peux des fois trouver des trucs à l'oreille mais c'est pas ça veut pas dire que enfin quand quelqu'un te dit que des fois il joue des trucs à l'oreille ça veut pas dire qu'il a l'oreille absolue hein, loin de là hein, ça n'a juste rien à voir hein. Parce que des fois tu me fais écouter un truc je te fais ah ouais putain ça ressemble puis tu prends ta guitare tu fais ah ouais tu fais des trucs et puis tu fais, ah ouais bah du coup ça fait ça. Merci beaucoup, évidemment.
Du coup, j'ai appris en apprenant, quoi. Enfin, je vois, j'ai joué, quoi. J'ai joué, j'ai regardé plein de trucs, j'ai regardé. Je sais pas, t'apprends, quoi. Enfin. Sinon, Red Hot à l'acoustique, qu'est-ce qu'ils ont comme chansons trop cool qui font à l'acoustique? Ah, y a pas un truc qui s'appelle genre Road Trippin', là? Qui fait ding ding. Attends. Ça, c'est le riff, je crois, je m'en rappelle. Je sais plus comment on fait. Non. Je sais pas après ce qu'elle fait. C'est bien. De bien. Je sais plus du tout. Under the bridge à l'acoustique, c'est pas ouf, quoi. Under the bridge à l'acoustique. Là, je peux pas. Hein. Je peux pas faire des hammer-on et des pull-up. Ça sonne pas assez. C'est pas ouf, mais elle est géniale. On veut des lyrics avec. Ah, des lyrics avec. Attends. Tu vas pas être déçu, en fait. Ça, si vous connaissez pas, faut absolument que vous allez le voir. C'est genre, je vais vous linker parce que c'est du génie. C'est quand John Frusciante avait fait exprès de massacrer, il avait fait exprès de massacrer, comment dire, Under the Bridge en live télé, juste parce qu'il en avait marre de cette chanson. Et il faut absolument le voir parce que sur ce passage de fin, il chie la baraque, mais c'est du génie, quoi. Je vous mets le lien parce qu'il faut absolument le voir. Bien récupéré du J3, ça va. Bah, Scar Tissue à l'acoustique, c'est pareil, quoi. Scar Tissue à l'acoustique, vaut mieux juste faire les accords. Parce que ce qu'il fait. Coin. Radiohead, Fake Plastic Trees. Oh, Radiohead, il y a des trucs trop cool. Oh putain, Radiohead, il y avait une musique qui était trop bien. C'était du génie, je sais plus ce que c'était.
C'était genre... Ah putain, c'était des accords semi-ouverts, je sais plus comment on appelle ça, ces accords-là. Des accords comme ça, là. Genre là, ça c'est un... Ça c'est un fa dièse mineur, et genre tu l'open au niveau des deux dernières cordes, je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait une musique comme ça de Radiohead, je sais plus comment elle s'appelle non plus, et c'était trop bien. J'ai plus la place. Non. Après, le problème de cette guitare aussi, c'est qu'elle est très peu accessible au niveau des. Tu vois, elle est fermée là. Et en fait, là, genre ici, c'est la fret 14. Et du coup, c'est très très pas, c'est pas du tout accessible quoi. Venir faire la musique à ton mariage. Comment se faire non. Non, non. Non, pas du tout. Hein. J'ai pas le niveau. Électrique ou acoustique que tu préfères, en vrai c'est compliqué parce que en fait ça dépend des jours quoi. En fait, quand t'as envie de jouer de l'électrique, tu prends ton électrique, quand t'as envie de jouer de l'acoustique, tu joues de l'acoustique. Y a pas de préférence quoi. Django Reinhardt, je connais rien en vrai, je connais rien de Django Reinhardt. Hein. Je sais plus comment. C'est bien, c'est minor swing ça? Ouais, c'est ça. Oh, mais je suis une bite en ça, moi. Je suis tellement une tub en ça. Tu connais le travail de Thibaut Covin? Non. Après, je sais faire des trucs à la con, genre des musiques d'ascenseur comme ça, j'en ai une en tête qui est OP. Thank you.
La bonne bossa, ouais. Les pires musiques d'ascenseur.com. Hein. J'ai vu un truc. La première musique que j'ai bossée, et j'en ai honte, hein, la première musique que j'ai bossée, c'est vraiment Wonderwall. Hein. Malheureusement, j'ai suivi le... Enfin, oui et non, en fait, j'ai bossé des musiques de Red Hot au début, et en vrai, sinon, la première musique que j'ai bossée, c'est Wonderwall. Mais je crois que même maintenant, je la connais plus, en vrai. Parce que Wonderwall, enfin, je veux dire, Wonderwall, c'est... Enfin, y a le riff principal, mais y a aussi autre chose derrière. Et ça, je me rappelle plus. Ça, je m'en rappelle plus en vrai. Sinon, Wonderwall, ouais, c'est pour les trucs que j'ai appris et c'est pour les trucs que j'ai chié dans ma vie. C'est vraiment de la merde, quoi. Bon, il est 17h30, on va peut-être faire autre chose. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire en conclusion? Je sais pas. Hein. J'ai déjà fait du Brassens tout à l'heure. Je pourrais en faire, mais jouer avec ta kick. Un Didier super. Pouning à la Sonic de Dieu. Nothing else matters. C'est comment déjà ça? Je crois que j'ai jamais su la faire, l'intro. Ouais, c'est un truc comme ça. En fait, je sais pas, hein. Ce truc, j'ai jamais su. Hein. Les tablatures. Merde! Pardon. Excuse-moi, je t'avais mis un petit time-out sans faire exprès. J'ai voulu cliquer sur un lien, mais ça s'est décalé. Les tablatures. Ah oui! Ah bah là, on comprend tout de suite, hein, évidemment. C'est bizarre. Et après, t'as... Ouais, évidemment. Salut, Boom Down. Un petit dernier chant et on se casse au pire. Enfin, on se casse, on passe à autre chose. Faudrait que je choisisse un truc là-dedans. Le temps ne fait rien à la... Je crois que c'est impossible à chanter, en fait. Attends. Ça va tellement vite. Qu'ils sortent de l'œuf. C'est impossible à faire. Non, qui balance
France entre deux âges. Je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, qu'on ait 20 ans qu'on soit grand-père. Quand on ait 20 ans qu'on soit grand-père. Quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'un temps. C'est quoi ce C-sharp là? C'est à dire quoi C-sharp déjà? C-sharp guitare. C'est quoi le C-sharp? C-sharp guitare corde. Oula, ça existe ça? Ah, ah c'est cet accord. Ah ok d'accord. Ah le C-sharp c'est ça? C'est donc ça qu'on appelle un sharp. J'en étais où? Petit con, la dernière averse, vieux con des neiges d'un temps. Mais pas du tout, c'est pas ça, hein, c'est sharp. Sharp, c'est dièse. Ah, mais oui, putain, mais le con. Non, mais pardon. Je suis parti trop loin, c'est pas du tout un sharp, c'est juste ça, en fait. C'est juste... Non, mais my bad. Non, mais j'ai juste... Attends, mon cerveau, il s'est déconnecté, hein. Non, mais Studio pour ma Paris, on est d'accord que depuis tout à l'heure, je joue des fa dièse 7, des trucs, et j'ai... Le C-sharp, ça m'est juste sorti de la tête, hein. Petit con, la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con, la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les vœux fourneaux, panneaux, les genoux pour les cons. Quand ils sont venus des têtes chenues, des grisons. Tous les tomes. Non, je sais plus c'est quoi les paroles de cette chiasse, quoi. Mais après, bon, méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con, la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con, la dernière averse, vieux con des neiges. Putain, c'est vraiment la baisse. Petit con, la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. C'est tellement la baisse. À Clermont-Ferrand après la Marathon Week. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais oui, mais je sais pas pourquoi j'ai lu C-sharp comme un gros débile. Mais mon cerveau s'est déconnecté, hein. Je vous jure. Tu vas au bal, qui me dit, je lui dis, qui me dit toi? Je dis, moi, il me dit, oui, je dis, non, j'y vais pas, j'ai mal. Non, mais ça, c'est la pire musique. Tu vas au bal, qui me dit, je lui dis, qui me dit toi? Je dis, moi, il me dit, oui, je dis, non, je veux pas, c'est trop loin. Il me dit, bon, et toi, t'y vas? Je lui dis, il me dit, qui je dis toi? Il me dit, moi, je dis, oui, il me dit, non, j'y vais pas, j'ai un rhume et j'ai froid. Alors, on n'a pas dansé, on est resté à parler, on n'a rien regretté. Il paraît de toute façon que c'était un balcon. Plein. Tu vas au pute, qui me dit, je lui dis, qui me dit toi? Je dis, moi, il me dit, oui, je dis, non, je veux pas, c'est trop loin. Il me dit, bon, et toi, t'y vas? Je lui dis, il me dit, qui je dis toi? Il me dit, moi, je dis, oui, il me dit, non, j'y vais pas, j'ai mal et j'ai froid. Alors, on n'a pas baisé, on est resté à parler, on n'a rien regretté, on n'avait pas d'argent, il paraît que c'est payant pour le dent. Tu vas à l'église, qui me dit, je dis, qui me dit toi? Je dis, moi, il me dit, oui, je dis, non, je veux pas, c'est trop loin. Je dis, oh putain, mais ça c'est impossible, j'ai jamais su le faire ça. Tu vas à l'église, qui me dit, je dis, qui me dit toi? Je dis, moi, il me dit, oui, je dis, non, je veux pas, c'est trop loin. J'ai dit, il me dit, bon, et toi, t'y vas? Je lui dis, il me dit, qui je dis toi? Il me dit, moi, je dis, oui, il me dit, non, je vais pas, il fait froid, j'ai froid. Alors, on n'a pas prié, on est resté à parler, on n'a rien regretté, quand nos âmes sont perdues, pour pécher, c'est le pied. Putain, c'est la pire braise. On l'avait tablé cette musique. C'est la pire baise. On se doutant, ça. Putain, c'était la pire musique à tabler, ça. La non demande en mariage de Brassens, c'est l'enfer à jouer. La musique qui dépiste l'alcool. Hein. Ah bah celle-là, clairement. Mon pote est mort de froid, de toute façon, il me gonflait, il voulait jamais bouger, il savait que poser des questions un peu cons comme vous. Alors je l'ai enterré, puis je suis allé danser avec les putes du quartier dans l'église ravagée, j'ai rien regretté. Mais alors rien du tout. Cette musique, faut l'écouter, hein, en vrai. Faut l'écouter, cette musique. Faut l'écouter.
Bon, c'est la baise. C'est la baise. On a su la faire. J'ai su faire cette merde, quoi. J'ai su faire cette chiasse. Bon, bref, on va finir Castlevania, parce que c'est mieux. Hein. Castlevania, c'est cool. Hein. C'est bien Castlevania.